Allez, bonjour à tous, c'est Matt du 29, donc on se retrouve sur FS23. Et on va tout simplement continuer ce qu'on avait commencé à faire. Je crois que celle-ci, j'avais. Celle-ci. Ah, mais attends, il n'y a pas fini. À côté d'elle pour vider quand même. Hop. Allez, on va continuer tout ça. Banane grillée pour aller vider ça. Pas la boulangerie, mais on va vider au plus cher. Au plus cher, maintenant, au plus cher. Pomme de terre au plus cher, ben, pomme de terre, c'est sud. Hop, nouveau livraison. Du sud, fourrage du sud. Hop, et on va se mettre ici. On va faire démarrer tâche, valider. Là maintenant ça va charger un petit peu. En attendant que... Voilà. Par contre, apparemment, c'est le cas que j'utilisais pour... C'est celui-là, je crois. Pour faucher. Il y a une partie du champ qui n'a pas été fauché. Le champ 2 n'a pas été fauché entièrement. Par contre, la faucheuse, je pense que. Maintenant qu'on est sur Switch. Et que les véhicules, on n'a pas besoin de les débloquer. Et ben, je pense que je vais on verra pour changer la faucheuse et se prendre la super faucheuse. Faucheuse automatrice, parce que je pense que celle-là elle doit faire pareil, elle doit faire des entains larges aussi pour remplacer celle-ci. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Bon, maintenant celui-là, on va pouvoir le relancer.
comme ça, ce champ il sera fait. Celle-ci, elle est nettoyée. Je vais mettre un automate à aller vers la ferme principale, elle est là. Tac. Ok, tâche démarrée. Normalement là, elle est en train de calculer. Par où passer? Elle ne devrait pas rester bloquée. Allez. Vers là où j'ai besoin d'aller, c'est là. Valider. Bon, on va la laisser partir. Il y a bien un moment. Ah, ça y est. Veilleux a terminé son travail, mais ça c'est la l'endemeur qui a terminé. C'est vrai que les endroits ils sont tellement larges que bon, après c'est un peu limite. Hop. Donc là on va devoir faire. Pour faire la dernière ligne, à mon avis, je vais devoir plutôt. Elle n'est pas partie, celle-là. Bon. Nous, il faut qu'on vienne là. Il avance pas. Hein. Je vais être obligé d'aller moi-même. Mais on peut mettre au maximum 4 ouvriers sur la partie. C'est pas grave, on est tous sur les puis c'est tout. On va prendre la botte de coton aussi, on va y aller à l'usine de tissu. Bon, peu importe où on la met. C'est pareil au niveau des moissonneuses. Quand on pourra, on changera la John Deere contre la Lexus. La 8000.
par contre. Hop, pile poil dans le bon sens. Allez hop. On va vider tout ça parce que sinon elle va être à 80% et puis après elle va s'arrêter toute seule. Elle va se mettre en pause. Faut toujours vérifier les automatiques hein, parce que des fois si on les laisse tourner trop longtemps, normalement c'est tous les moissonneuses. Ça c'est très bien. Très bien. Ouais. Bon, on va la laisser sur le champ celui-là. Hop. Lui, on va récupérer la boîte qui est par terre. Hein. Par contre, il y a un truc que j'aurais dû faire. C'est... lancer mon petit document Excel avec mon tableur sur la partie semis sur 23 FS 23 et il faut que je regarde l'état du stock parce que vraiment normalement on est full en tout sauf en sillage. À la limite maintenant celui-ci il a terminé là. Donc je vais pouvoir les nettoyer on va aller nettoyer celui-ci. Bon, pas de soucis avant. D'ailleurs, je finis ce champ. Une fois que ce champ est fini en pressage, avant de commencer les autres champs, on se ramasse les bottes qui manquent pour les mettre au stockage. Et le reste, ça va être en vente directement. Voilà, on va se taper deux bottes normalement qui vont descendre. Non, une. C'est déjà bien, et ça nous fait encore deux bottes à faire. Celle-ci, on va la laisser là. Celui-ci, il faut aller le nettoyer. On n'en aura plus besoin. Hop. Allez, on nettoie tout ça. Le total, hein, tout hein. Voilà. Et par contre sur celui-là, la station elle est complète. Mais alors je sais pas si c'est sur la partie ou si c'est le jeu. Parce que... mais bon, maintenant je m'en fous, je suis sur Switch et je m'en porte pas plus mal. Je préfère la Switch quand même. Parce que déjà au niveau du magasin, c'est... on est moins bloqué à devoir acheter des véhicules ou des outils. Non, à déverrouiller, à dépenser de l'argent pour les déverrouiller. Ça je comprends pas. Je comprends pas l'histoire de... le fait qu'on fasse ça quoi. Bon après c'est en même temps c'est par rapport au prix du jeu je pense. Parce que sur mobile le jeu il doit être lié à quoi il est moins cher que sur Switch. Alors ici avec celui-là on va récupérer la remorque auto-chargeuse.
Par contre, je vais aller voir un truc là. Ah, mais là, elle est dans le mauvais sens quand même. Ouais, mais ça va. Elle peut encore, elle peut encore tenir. Du coup, nous, il nous faut. Non, c'est après, je crois. Ouais. Non. 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 Bah non, je vais. C'est celui-là que j'ai besoin. D'ailleurs, on a tout ce qu'il faut dans les autres balles. Il y a juste les balles en siège qui nous manquent. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va finir déjà d'enrubaner tout ce champ. Et après, on ira voir au stockage combien on a en tout et combien il nous en faut. J'avais noté pour la dernière fois qu'il y en a 8 et il en faut 11 max au maximum. Donc là, il nous en manquerait 3. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. Donc celui-là, il a terminé. Hop. Je vais le mettre là, lui. Alors, on va faire un truc avant. On va peut-être aller vider la machine, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait pas mal, je pense. Allez. Avant qu'elle soit à 100%. La benne on est prêt. Je fais, allez, un petit enregistrement. C'est pas grave. Créer une nouvelle tâche. Mais non. Ah voilà, ça y est. Ce qu'il fallait pas faire, je le fais. En route. Ça va se mettre correctement quand même. Allez! Non, mais. Non, non, toi. Créer une nouvelle tâche. Livrer. Démarrer tâche. Valider, fermer. Donc là, bien sûr, ça va charger un petit peu, c'est normal. Et nous, ce qu'on va faire, je voulais aller voir dans le silo de stockage. Alors, nous, c'est bottes 2, dans sillage, on en a 8. 8, et il en faut 11, donc il en manque 3. Donc ça veut dire que j'en charge 3 et je les mets au stockage. Et après, le reste on charge, ce sera direction point de vente.
3. Hop là. 1, 2, 3, c'est bon. Donc on se met. Ici. Et on recule. Et hop, 3 bottes en stockage. Et maintenant, c'est de l'argent. Et les bottes les plus chères, c'est les bottes en siège. Et tant que j'ai pas le plateau entier, j'irai pas le vider. Allez, 17 000 euros. Bon, bah ça c'est fait. Non, mais ça c'est parce qu'il est en train de repartir. Hop, donc nous il nous faut récupérer la presse. La presse ça peut être après. Voilà. Allez, en sillage, c'est parti. Donc, mais en tant que je vois pas le tracteur sur le champ, ça sert à rien que j'aille devant. Et donc par terre. Ah bah le tracteur arrive, tu vois. Je vais pouvoir revenir faire une botte. Pour éviter que ça nous embête au niveau du pressage. Celle-ci, on ira prendre les deux autres aussi à vous. Je crois que le camion est arrivé. Ben, la remorque est arrivée. Et on va aller la vider parce qu'on ne sait jamais. On désactive l'ouvrier. Par contre, avant de partir du champ avec celle-ci, on va devoir faire les détourages.
J'ai envie d'abord faire les orages en plus. Au moins 4 vers le 4 vers 1. Peut-être un de l'autre côté pour que ça fasse correctement et que ça gêne pas les voitures sur la route. Et je pense que je vais arrêter après ça. Et du coup, la semaine prochaine, on continuera. Hop. Du coup, on va s'arrêter là. Bon, ça va, ça fait 20 à 26 minutes, donc ça va, c'est un bon épisode. Ben... Voilà, ça fait un bon épisode quand même. Donc, semaine prochaine, on continue. Donc, on finira l'arrachage des pommes de terre, le champ hein, 10. De presser, d'enrubanner et d'envoyer les bottes à vendre au prix fort, donc c'est-à-dire au vendeur de balles en haut au niveau du négociant. Et puis voilà. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Sinon, on se retrouve le samedi soir pour un live sur la Coronella à partir de 22h30, de 20h30. Et sinon, il y aura... et sinon, il y a le live du dimanche après-midi à partir de 14h30 sur Twitch, toujours sur Construction Simulator. Donc, si jamais, alors, par contre, ça dépend de comment c'est le week-end. Hein. Il peut y avoir ne pas avoir de live si je suis occupé, hein, si j'ai des trucs ou pas le week-end. Mais là, normalement, on verra. Donc sinon, on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle semaine de vidéos la semaine prochaine. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao!